Bonjour à vous, aujourd'hui on est parti sur le 6ème épisode de cette 3ème saison du Let's Play de Scrap Mechanic. Donc dans l'épisode 5, on a découvert quelque chose de nouveau, en tout cas si vous regardez ma chaîne, on a découvert qu'il était possible de contrôler donc les constructions que l'on a fait, donc des véhicules, des vaisseaux volants, hein, donc tout ce que l'on veut avec ce type de mécanisme. Donc dans cet épisode là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un vaisseau volant qui va se servir de cela pour se diriger, hein, car comme vous pouvez le voir, ça va être très pratique. Alors donc, on est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire la base du vaisseau. Donc alors, je vais virer tout ça, hop, j'aurais pu m'en servir pour mon vaisseau, mais c'est pas grave, on le démolit. Donc si vous voulez voir en détail comment créer ce mécanisme, regardez l'épisode d'avant, c'est vraiment détaillé, c'est très simple, il n'y a vraiment rien de compliqué, vous pouvez le faire vous-même sans problème. Alors on est parti, on va déjà faire la base de notre vaisseau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer un petit peu, vu que ça va être un petit peu long, je vais faire le petit mécanisme de contrôle et on reprend. Les bases du vaisseau sont donc installées. On a mis un mécanisme stabilisateur en haut, donc vous voyez ici, donc relié aux ordinateurs. Il n'y a pas encore les capteurs ni les boutons. Et j'ai fait la même chose en bas. La raison que j'ai fait la même chose est que je veux faire quelque chose d'automatique en dessous du vaisseau qui va donc maintenir le vaisseau stable pour qu'il puisse, on va dire, flotter au-dessus du sol. Donc maintenant, on va refermer un petit peu tout ça. On essaie toujours de garder l'installation la plus symétrique et équilibrée possible. On y va du côté là. Voilà. Donc génial, on a fait l'intérieur et maintenant on va devoir... Qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir préparer pour le dessus, on referme la coque, hop, et hop, donc là on a le dessus. Maintenant on va avoir besoin de pouvoir faire en sorte que notre véhicule puisse se déplacer. Donc on va installer, alors on a un nouveau petit quelque chose qui est... Hop. Un nouveau siège qui permet donc de bien contrôler... on va plutôt le mettre derrière, de contrôler le vaisseau, mais qui est cool parce que lui, il ne fait que 3 cases, quelque chose que je demande depuis super longtemps. Alors c'est un toilette, écoutez, c'est vraiment un toilette, mais l'avantage c'est qu'il prend que 3 cases et il peut actionner les boutons, donc c'est tout ce que je lui demande. Les autres prennent 4 cases, c'est super embêtant pour faire quelque chose de symétrique avec. Donc là on a quelque chose de parfait. Donc maintenant je vais continuer à construire le vaisseau là, et je vais essayer de faire quelque chose de fonctionnel. Donc on accélère. Alors notre vaisseau est terminé. Alors je suis vraiment pas satisfait du look ni du design. Je vais vraiment changer les choses. Par exemple, je vais retirer les réacteurs derrière et devant, et je vais plutôt mettre des réacteurs qui sont proches du centre de gravité. On a appris cela dans du centre de masse, pardon. On avait appris cela dans mon épisode précédent, mais bon, on a déjà fait quelque chose de rapide. Et donc voilà, vous voyez, il arrive à se maintenir pour le moment droit. Et donc on va rentrer. Ouh, pas complètement, c'est pas grave. Ok, alors on va tester. Alors que je me rappelle. Ok, le bouton 1. Soulève le vaisseau. Le bouton 2 le fait pencher en avant. Donc vous voyez, je peux, en les touchant, bien maintenir. Le bouton 3 fait pencher vers la droite. Le bouton gauche vers la... Le bouton 4 vers la gauche. Donc j'aurais dû les inverser dans la logique des choses. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, vous voyez, là, on peut vraiment y aller. Alors le bouton 5, il fait quoi? Il fait accélérer. Le 6 fait reculer. Donc d'accord. Le 7 fait monter. Et le 8, ok. Donc on est prêt. Le bouton 4 pour accélérer. Non, c'est pas le 4, c'est le 5, voilà. Ok, alors on y va. On décolle. Donc pour le moment, je vais aller tout droit vers le haut. Donc on y va. Alors je vais devoir hop, le faire pencher un peu plus. Peut-être je vais devoir augmenter la puissance des réacteurs. Je vais continuer à monter. Je vais devoir le faire freiner. Voilà. Et donc là, on continue à monter. Oups, c'est pas du bon côté. J'arrive à bien trouver Alors, j'ai la possibilité de le faire tourner également. Hop, le 9, vous voyez, et le 0. Alors, je suis pas encore satisfait, mais au moins là, on a quelque chose qui tourne. Ok, on va continuer à monter un petit peu plus haut. Voilà. Et donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un looping. On va voir ce que ça a donné. Alors, je vais couper le réacteur 7 et je vais soulever en dessous. Voilà. Hop, on le coupe, on allume l'autre. C'est bon, on va tourner. Non, on va tourner avant qu'on touche le mur. J'ai pas pu tourner, attends. Ok. Alors là, j'ai besoin de le repositionner et on le refait monter. Ouh, on le refait monter. Voilà, donc on a quelque chose de beaucoup plus maniable qu'avant, même si bon, c'est encore, ça laisse à désirer. Mais vous voyez, on peut vraiment, en tout cas, se balader avec. Je vais peut-être même le faire aller plus vite. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de retourner. Ok, alors on va couper le moteur. Le moteur, c'était le 7. Non? C'est le 5, le moteur, ok. Voilà, on va atterrir. Oups. On coupe. Le 7, voilà, et maintenant, alors j'aurais voulu retourner là-bas, mais c'est un petit peu difficile, on va devoir le rendre plus maniable, parce que là, ce n'est pas suffisant. Alors, ce que j'aimerais, c'est déjà me faire des petites ailes ici. Alors, ok, donc le centre, donc ça fait une barre complète, alors, plutôt on va compter avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça fait 17. Donc 8 de chaque côté. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc les ailes vont être là. Parfait. On va les faire toujours, si on peut. Voilà. Le problème, c'est que là, ça peut me permet de faire exactement ce que je voulais. Pas grave. Donc on va la faire de quelle longueur? Un peu plus long. Et on va mettre des réacteurs. Je vais oublier de faire ça comme ça. Ou alors on en met juste un et on le met plus puissant. On va mettre juste un pour qu'il y ait moins de poids. Le problème c'est que ça va... Ah oui, bah du coup si j'en mets que un... Ouais, non, j'ai pas le choix. Vous voyez, si j'en mets que un, ça va pas être équilibré. Bon, alors, ok. On va en mettre deux de chaque côté, mais on va les mettre moins puissants. Alors. Tu as quel endroit? Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit le même de chaque côté. Exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Et on ferme le côté là. Et donc maintenant, je vais avoir un autre réacteur pour faire avancer. Et cela, on va s'en servir pour autre chose. Alors, du coup, on monte sur les toilettes. Hop, on se la chasse. Et donc le bouton 1 ne doit plus... Non, c'est pas le bouton 1, c'est le bouton... 5, ouais, je les ai bien mis dans le bon ordre. Le bouton 5 ne doit plus être relié à celui-là et à celui-là. Ok. Le bouton 5. C'est bon, je les ai mis dans le mauvais sens. Je les ai mis dans le mauvais sens. Ah bah génial. Ok, bon, on va les remettre dans le bon sens tout de suite. Ok. Tac. Au moins, on s'en rend compte tout de suite. Alors, j'en aurais besoin éventuellement de l'autre côté, hein, mais bon, on va pas compliquer les choses non plus. Alors, on monte sur les toilettes pour avoir le bon angle de vue. Donc, il faut faire gaffe parce que quand c'est comme ça, il est très facile de désactiver quelque chose que vous voulez pas. Et après, pour savoir à quoi ça doit être raccordé, c'est juste le bordel. Hein. Regardez tout ce qu'il y a là. Alors, bouton 5. Hop. 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 Ok, donc on va déjà le tester. Donc 7 pour soulever. On va soulever comme ça et on démarre. Ok. Ok, c'est déjà plus stable, mais je vois qu'il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez de puissance. Donc il faudra sûrement que j'augmente un petit peu. Donc on va atterrir. Le 5 on l'éteint. On va se poser doucement. Par contre, il y a une tendance à se pencher. Il y a une tendance à se pencher en arrière. Donc il faudrait peut-être un peu plus de poids devant. Voilà. J'espère que ça fera l'affaire. Et donc on va devoir augmenter. Alors pas trop, va falloir faire gaffe. Parce que si on augmente de trop, on va aller trop vite. Parce que là on a 4 réacteurs. Hein. Ok. On teste. Alors le 7 allume en dessous. On soulève et on démarre. Ouh, là j'ai l'impression que ça se penche un peu moins. On va se mettre stable pour voir. Ça continue à se pencher en arrière, mais beaucoup moins. Alors maintenant on va tourner. Non, de l'autre côté. Ok, là on a touché le bord, c'est un peu embêtant. Alors je vais essayer de me repositionner. On va continuer à tourner. Je vois plus où je suis. Ah, attention. Comment? Allez, vas-y, tourne. Un peu coincé là. Alors, on va couper le 5. Non, bêtise. Grosse bêtise. Ah, là il est couché en haut. Va falloir le rechoper. Alors j'espère qu'il va tomber. J'appuie sur le bouton E par erreur. Je sais pas comment le rechoper du coup. Alors, je suis en train d'essayer de le récupérer. Il est bien stable une fois qu'il est collé au mur, hein, quand même. Après, tu ne pouvais pas être aussi stable quand j'étais sur toi. Et là, par contre, ouh, ça va devenir un peu dur. Va falloir que je saute. Hop. Ok. Allez, on est sûr. Il faut que j'en pète cette petite chose. Et du coup, alors, je vais... C'est lequel déjà? C'est le 5 pour arrêter d'accélérer? Ah non, voilà, ok. J'avais mis le 6, ok. Donc là, on se repositionne. J'arrête de faire tourner. Le problème, c'est qu'il y a tellement de boutons que je m'y perds. Alors, c'est le... On va juste descendre, il faut que je me repositionne bien. Ok. Ok. Alors, j'ai repositionné le véhicule, j'ai également diminué un petit peu la puissance des réacteurs derrière, parce que je me rends compte qu'aller trop vite n'est pas forcément une bonne chose, et j'ai également rajouté une petite rangée devant pour que le... comment dire, pour qu'il y ait plus de poids devant, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, vous voyez là, je les ai mis un petit peu plus longs, donc on va tester, on va voir ce que ça va donner. Alors, du coup, on monte, le bouton 7 démarre le réacteur en dessous, le bouton 5... démarre celui-là. Alors, j'aimerais tourner de l'autre côté, s'il te plaît. On tourne. Je vais couper le 5. Voilà. On redémarre. Allez, on est reparti. Alors, les réacteurs d'en dessous ne sont pas suffisamment puissants. Hein. On décolle. Remonte plus haut. Remonte encore. Voilà. Ok. Là, on était trop proche du sol. Ça... on est un petit peu faux les choses. Donc là effectivement on a une bonne vitesse. Alors on continue à pencher en arrière. Il faudrait que je fasse quelque chose sur ça. Alors je vais monter. On va monter tout droit, un petit peu plus haut. Parce que je perds de l'altitude à cause de la puissance des réacteurs. Regardez ça. Ok. C'est bon, là je crois qu'on est beau. On se repenche un petit peu du côté gauche. Et on va essayer de se poser. Allez, on va essayer. Je pense pas que je vais y arriver. Mais on va essayer de se poser là-bas. Sur le plateau. Oups. Mauvais sens, mauvais sens, mauvais sens. Ouh. Tourne, tourne. Ok, je vais couper le 7. Ouh, je crois que là c'est pas bon. Là on n'est pas bon, je rallume. Ah, il y a tellement de boutons appuyés qu'on s'en mêle les pattes. Ouh, j'ai appuyé sur E sans faire exprès. Donc c'est pas facile quand même, mais c'est déjà plus maniable. Alors par contre, du coup, on va devoir augmenter la puissance. Ouh, on est déjà à la puissance là, je vais mettre un peu plus haut là. Le problème, c'est que je pense que si je le mets là, ça va me soulever. Alors on va retirer un peu de poids derrière. Une rangée complète. On rallume le 7 pour en bas. Ok, donc là, ça fonctionne. Non, non, mauvais, mauvais. Ça fonctionne. On soulève juste un petit peu. Ok, donc on démarre le réacteur. Voilà. Bien. Et donc là on va se positionner comme ça. Je vais voir si je perds l'altitude. Je continue toujours à pointer en arrière. Donc ça c'est un problème qu'il faudra régler. Il faudrait peut-être mettre un gyroscope. Alors on se rapproche trop de la fin de la zone. On va tourner. On tourne. On va vers la main. Il faudra peut-être augmenter la puissance de ces réacteurs qui nous font tourner. Également. On avance, on repart en arrière. Oups, j'ai oublié de déconnecter. Alors c'est tout un art, mais on peut le contrôler. Et c'est quand même plus maniable qu'avant, parce qu'avant on avait tellement de limitations. Hop, on avait tellement de limitations qu'on était obligé de vraiment planer sur une ligne droite. Vous voyez, on n'avait pas contrôle comme on a contrôle maintenant. Alors on va atterrir. Ok. Non, c'est pas celui-là. Ah, je me rappelle jamais des boutons. C'est incroyable. C'est le 7 pour en dessous. Voilà. Ok, alors on va augmenter la puissance des réacteurs pour tourner. Là, ça devrait bien me faire tourner. On grimpe dessus. Alors, on se remet en position haute. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et le 7, ouais. Par contre, le vaisseau est pas aussi stable que je l'aurais aimé. Je pense que c'est peut-être le siège qui le fait pencher en arrière. Ouais. Pourtant, j'ai mis plus de poids devant. Alors, on va essayer de tourner maintenant. C'est toujours pas aussi rapide. Alors, si je coupe l'accélération... Ouais, ça tourne quand même beaucoup mieux. Hein. Alors, on remet l'accélération. Et voilà, donc là on peut vraiment faire joujou. Alors je vais essayer peut-être de faire quelque chose de plus stable, quelque chose qui se maintient tout droit quand je ne fais rien. Ça serait pas mal, comme ça on pourrait aller dans tous les sens, ça serait je pense très cool. Mais en tout cas, vous voyez, la technique d'avoir les petits... on va dire les petits... mince, comment ils s'appellent? J'ai plus le nom en tête. Les ressorts, hein, donc les suspensions qui redirigent le vaisseau fonctionnent comme pas possible. Vous voyez, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et on va monter. Voilà. On va tourner en montant. Ça marche du tonnerre. Par contre, ouais, là, les réacteurs, on sent la limite des réacteurs. Ils ne peuvent pas... Alors, je vais dézoomer un petit peu. Hop. On va se pencher en avant. On se remet en position de vol. Et donc là, bah, on voit la map super haut. Et ça fonctionne excellent. En tout cas, bah, merci à vous d'avoir regardé. J'espère que la petite vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a donné également des idées pour vos créations. Et puis, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.